Le chou de Bruxelles, petit chou, mais efficace. Il a de nombreux bienfaits et peu de contre-indications. Le chou de Bruxelles est une variété de chou qui revient en force en cuisine. Peu calorique, il renferme de la vitamine C, des fibres et de nombreux autres minéraux. S'il est consommé de manière régulière, le chou de Bruxelles a des bienfaits intéressants sur la santé. Outre ses avantages, ce légume peut s'accommoder de maintes façons et peut se transformer en un vrai plat moderne. Les bienfaits et avantages du chou de Bruxelles sur la santé. Le chou de Bruxelles est très riche d'un point de vue nutritionnel et ce légume contient des micro-composants qui seraient efficaces pour prévenir l'apparition de cancers. Ce crucifère est également très riche en vitamine C, une vitamine aux multiples avantages, elle aide à préserver les artères en bonne santé et lutte contre les complications liées au diabète. La vitamine C est aussi bénéfique pour la santé cardiovasculaire. Elle est aussi efficace pour booster les défenses immunitaires, un point intéressant qui permet de lutter contre les rhumes, bronchites et autres maladies hivernales. Les choux de Bruxelles contiennent aussi des fibres qui forment une sorte de barrière dans l'estomac pour ainsi ralentir l'assimilation des aliments durant les repas. Grâce à cette action, le taux de glycémie augmente doucement. Du fait de la présence de calcium, le chou de Bruxelles participe également à la bonne santé des os. Les crucifères sont aussi intéressantes pour stimuler le cerveau et lutter contre la déprime en hiver. Le chou de Bruxelles est également un allié pendant un régime. En effet, il est peu calorique et les fibres favorisent la sensation de satiété pour ainsi moins manger. Les contre-indications à la consommation de chou de Bruxelles. Les personnes ayant l'intestin irritable peuvent avoir du mal à supporter et à digérer les choux de Bruxelles et tous les crucifères en général. Conseil pour faire cuire les choux de Bruxelles. Pour cuire les choux de Bruxelles, vous pouvez choisir la cuisson à la vapeur. En plus de garder tous leurs nutriments et minéraux, les choux de Bruxelles conserveront également toute leur saveur. Pour les préparer, déposez vos légumes dans le panier vapeur de votre cocotte minute, mettez de l'eau, une pincée de gros sel et laissez cuire 8 minutes une fois votre cocotte sous pression. Sinon, la cuisson à l'eau est aussi intéressante pour que vos crucifères gardent leur goût. Pour cette cuisson, répétez les étapes expliquées pour la cuisson à la vapeur, mais laissez frémir 15 minutes. Les bienfaits des choux de Bruxelles pour le corps humain. Pour profiter des bienfaits des choux de Bruxelles, il est important de les inclure dans votre alimentation. Une dose unique n'aidera pas à améliorer la condition. Et si vous en prenez de temps en temps, cela renforce le corps humain et le sature d'un complexe vitaminique. Par exemple, il est capable de réduire le taux de cholestérol en normalisant le fonctionnement du système cardiovasculaire. Cela devient possible en raison de la présence d'acides aminés et de glucose dans la composition. Ils aident à protéger les parois des vaisseaux sanguins des dommages en les renforçant. Pour renforcer l'effet, il est recommandé de prendre des choux de Bruxelles avec de l'huile d'olive. Vous ne devriez pas le combiner avec de la mayonnaise, du beurre, du ketchup et des fromages gras. Étant donné que la composition contient de la lutéine et de la zéaxanthine, le légume améliore la vision. L'utilisation quotidienne inhibe les processus de dégénérescence rétinienne. La vitamine A est connue pour avoir un effet positif sur la vision. Selon les experts, lors de la prise de choux de Bruxelles, l'activité cérébrale augmente, les neurones sont protégés des dommages dus à la vitamine K dans la composition. Et la présence d'une grande quantité de vitamine C offre une forte immunité. Des choux pleins de vitamines. Lorsque l'hiver arrive, apportant avec lui son lot de rhumes et autres virus, les choux de Bruxelles sont de véritables alliés. Ils regorgent de vitamines essentielles au bon fonctionnement de l'organisme. Tout d'abord, les choux de Bruxelles sont particulièrement riches en vitamine C, connue pour renforcer le système immunitaire. Ce nutriment contribue également à la synthèse du collagène, utile pour maintenir la solidité de l'organisme. Ainsi, une portion de choux de Bruxelles contient plus de 150% de la valeur quotidienne en vitamine C. Place maintenant à la vitamine K, l'allié numéro 1 d'une bonne circulation sanguine. Elle soutient l'ostéocalcine, une protéine indispensable à la solidité et à la santé des os. D'autre part, la forte teneur en vitamine B9 des choux de Bruxelles participe à la synthèse des acides aminés, ainsi qu'à la production d'ADN. Elle permet aux cellules de se renouveler plus rapidement, contribuant ainsi à la régénération de l'épiderme, des cheveux et des ongles. En cas de digestion difficile, les choux de Bruxelles sont le partenaire de choix.
Cela est dû à leur forte teneur en fibres, qui aide à réguler le transit en cas de constipation ou de diarrhée. Les fibres jouent également un rôle important dans le ralentissement de l'assimilation des glucides et augmentent la sensation de satiété, ce qui permet de freiner les éventuelles envies de grignotage. Mais les vertus des choux de Bruxelles ne s'arrêtent pas là. En plus de favoriser la santé du système immunitaire et digestif, les polyphénols qu'ils contiennent aident à lutter contre certaines maladies. Merci de nous avoir visités. Si vous voulez recevoir des recettes pour perdre du poids, des conseils de santé ou des recettes pour vous faire paraître beaucoup plus belle, je vous recommande de vous abonner à notre chaîne. Et bien sûr, n'oubliez pas d'activer la petite cloche, près du bouton s'abonner, pour ne rater aucune vidéo. Je vous demande de nous faire un commentaire, même si c'est un bonjour, ou un merci, car vos commentaires nous motivent à continuer à faire beaucoup plus de vidéos pour vous. Partage avec nous dans les commentaires si vous avez des questions supplémentaires. Si vous l'avez trouvé intéressant, important, n'oubliez pas de partager avec vos amis et famille. Merci, que le grand Dieu vous bénisse.